est venu sur le centre CCAS de Plot, qui a la particularité d'être le centre le plus ancien de France. Le centre de campagne, bien évidemment. Plot donc fait partie du territoire Auvergne-Limousin. Alors lorsqu'on vient en vacances, on ne prévoit pas vraiment au départ, puisqu'on ne sait pas toujours où on va réussir à aller. Donc cette année, nous sommes arrivés à Plot un petit peu par hasard. On ne connaît pas du tout la région, donc on profite un petit peu de l'accueil et des gens de la CCAS qui nous expliquent tout ce qu'il y a à côté. On va également au syndicat d'initiative et puis on fait un petit peu notre planning comme ça, en essayant d'allier le plaisir de rester un petit peu avec les enfants et les activités qu'on peut découvrir sur le centre, et puis d'aller découvrir tout ce qu'il y a dans la région à côté. Nous avons la possibilité de recevoir les collègues soit en maison familiale, soit en gîte, et également 80 emplacements de campeurs libres. Quand on est en MF comme ça, bon, donc pas besoin de faire de cuisine, donc ça déjà, pas besoin de faire de courses, donc déjà ça prend quand même du temps ces choses-là. Pour nous ça va, c'est bien, c'est sympa, il y a une chambre avec salle de bain, douche, toilette, c'est correct, hein. Il y a tout le confort, quoi. Hein. Ici, déjà, on a chacun notre emplacement bien propre, bien plat, bien installé. Il y a bien une intimité un peu pour chacun, et c'est vrai que c'est pas le cas dans tous les camps. Les emplacements pour campeurs libres sont vraiment magnifiques. On n'a pas à se plaindre. Et nous avons choisi la maison familiale par rapport justement le fait de pouvoir être vraiment en vacances et de ne rien faire. Parce que je dirais, comme j'ai une grande famille, ça change hein, du quotidien à la maison où là, on n'a rien à faire. C'est vraiment agréable puisqu'on se retrouve d'une façon différente. Donc on peut profiter de la famille, des enfants. On se retrouve, chose qu'on n'arrive pas toujours à faire avec l'organisation du travail et puis l'école des enfants. C'est vrai qu'on a fait ce choix par rapport au fromage. Je dirais vraiment, c'est le pays du fromage. Donc automatiquement, on aime bien le fromage. Donc on a fait notre premier choix. Un peu pour ça. La restauration, les plats cuisinés, non, les enfants ne réclament pas spécialement des frites. Et nous, on essaie qu'ils mangent quand même des légumes, un petit peu. Donc ils acceptent bien de manger des légumes. Et les frites, ce sera pour justement un repas festif où il y aura des moules frites. Voilà. Alors pour le mode repas, non. Alors moi, il n'y a rien. C'est comme à la maison, tout ce que je trouve, je mange. Alors en sachant que j'essaye par contre de profiter, et c'est ce qu'ils font ici, des plats un petit peu locaux. Et notamment dans la région de certains fromages, certaines viandes, et ils ont l'intelligence de marquer la provenance des viandes, et ce qui est sympa quand on mange. Nous faisons profiter surtout nos petits-enfants de tout ce qui est offert, magie. Et nous participons évidemment. Nous sommes allés dans une ferme médiévale, ce qui a permis de parler autour de des fermes d'autrefois, comment les gens pouvaient vivre. Donc c'est bien que les petits-enfants ont pu découvrir cette façon de vivre il y a très très longtemps. De partir avec des gens comme ça, des gens aussi qui discutent, les enfants se retrouvent entre enfants. Nous on parle, on en apprend bien sûr aussi, certainement. Donc le club enfant, en fait, concerne mes deux filles qui ont 3 et 6 ans. La garde d'enfants sur un centre comme celui de Plot est vraiment très appréciable parce qu'il y a de multiples activités à faire. Il y a des sorties tous les jours. Elles prennent le goûter souvent à l'extérieur, elles chantent. On a eu droit à une petite chorale tout à l'heure d'ailleurs. Comme nous, on choisit beaucoup pour les ateliers paroles, musique, la scène. Donc voilà, ça, c'est notre truc. Donc on est là surtout pour ça. À la base, je fais des études d'art. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer un artiste, ce qui n'est pas forcément évident et accessible hors les centres CCAS. Lorsqu'on vient, on essaye de profiter un maximum de tout.
et notamment de respecter un petit peu le travail que font les gens là. Donc effectivement, toutes les activités qui sont créées, on essaye d'y assister. Alors on a été hier soir au spectacle de magie qui était formidable avec Simon Orsoni. Et puis on a le plaisir de pouvoir assister également à ses cours avec mon fils. On s'est inscrit le matin ensemble pour aller prendre ses cours de magie. Et c'est vraiment des moments sympas. Ouais. On vient également aussi dans la région par rapport à la culture, parce qu'il y a un gros festival de théâtre de rue qui est le Festival d'Aurillac, qui se déroule chaque année. C'est un festival international et ça nous permet de nous ouvrir un petit peu, de sortir. Et... en plus un centre qui est attractif parce qu'il offre des activités sportives. Et je crois que ce soit sur la piscine, sur le VTT, sur les balades proposées, on a vraiment un panel important de choix en matière d'activité. Donc moi je trouve qu'au contraire, c'est parfait. Enfin, venir à Plot, on y trouve bien ce à quoi on s'y attendait. Moi, pour nous, c'est très important. Ouais. Je viens ici en me sentant chez moi et surtout je me rends compte tout compte fait que c'est pas vain quoi, hein, tout ce qui est fait derrière, ce fameux lien entre EDF et la CCAS existe, il est réel, il est tangible et le résultat est très probant. Ma famille et moi-même passons d'excellentes vacances.